Et salut les droïdes, comment allez-vous? Je suis le Droïde Geek pour la Gata TV et aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une vidéo découverte sur le jeu PC Rumbo First Blood. Donc c'est un jeu indépendant qui mêle action, humour et violence, donc il y a un peu de violence par rapport au sang dans ce jeu, même par rapport au principe du jeu. Donc le jeu est sorti le 8 août 2019 et a été développé et édité par le studio Samurai Punk. Donc il est disponible sur Steam pour 2,39€. Donc le jeu reste basique, mais franchement ce n'est pas cher payé pour ce jeu. Donc pour expliquer un peu le principe du jeu, on va incarner un robot aspirateur, donc Rumbo qu'on peut voir là. Et le but va être de protéger la maison de différents voleurs qui vont rentrer pendant que la famille est partie. Mais ça va être plus simple de vous expliquer en jouant. Donc petite introduction. Le beau portrait de famille. Et là, on retrouve Rumbo. Il est pas mignon, regardez comment il dort. Donc la famille part, je ne sais où. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, des voleurs! Alors le jeu ressemble à ça, donc là on contrôle le petit robot, donc on se déplace avec les touches. Donc dans les options, on peut modifier un peu les paramètres de déplacement, donc QWERTY, AZERTY, ça je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. On peut faire un mapping custom, on peut régler les diffs, plutôt la qualité, donc medium, full. Donc moi je vais rester en AZERTY. Le jeu supporte aussi la manette, j'ai un peu de mal à jouer avec la manette mais bon. Donc là on a les moments qui sont affichés pour le début, et donc là on a un voleur, donc on va pouvoir interagir avec les différents éléments de l'environnement pour essayer de tuer le voleur. Donc là par exemple je suis en hack mode, donc avec le halo bleu là, et je vais pouvoir par exemple interagir avec le ventilateur plutôt. Ça a dû faire mal. Donc, hop. Ah, il me poursuit. Il y en a un autre là. Ah mince, j'ai un peu du mal. On va essayer de tourner un peu mieux. Ça fait quoi si je fais ça? Ça fait rien. Tu ne mourras pas. Ah, la petite prise électrique. Hop là. J'ai oublié de valider le truc. Ah, ah. On peut aussi se cacher sous les différents éléments comme le canapé. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin que je pourrais utiliser? Je peux utiliser le klaxon pour essayer de l'ameuter. On va le faire tomber. Ah. Je n'ai toujours pas trouvé à quoi sert le bouton aspirer. On va essayer la cheminée. Ouh, ça par contre ça fait mal. Et après avoir rempli une certaine jauge, on peut directement l'attaquer. D'une manière un peu violente, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, une fois qu'on s'est débarrassé du voleur, bien sûr, il faut nettoyer. Allez, on va récupérer tout ce sang. Regardez-moi comment il est tout content. J'ai protégé la maison. Je vais tout nettoyer avant que la famille revienne. Non, franchement, pour un petit jeu indépendant, il y a de quoi bien s'amuser. J'ai hâte de voir les prochaines mises à jour qu'ils vont faire quand même dessus, voir ce qu'ils vont rapporter comme contenu. Hop. Bon, là, il y en a partout. On va essayer de nettoyer ça, grosso modo. Ils vont rien voir, ni vu ni connu, il s'est rien passé. Oh, j'en ai vraiment foutu partout. Yep.
Ah, j'ai pas pu tout nettoyer, donc là le level 1 est complété, donc on a neutralisé un intrus. Valuable said, je ne sais pas à quoi ça correspond. On a nettoyé à 69% et puis on a été précis sur les pièges à 63%. Donc on va jouer au prochain. Donc bien sûr, plus on monte en niveau, plus il y a de voleurs. Donc cette fois lui, on va l'avoir. Je vais cacher les contrôles. Hop. On va le faire tomber directement. Allez, passe devant là. Hop là. On en profite pour nettoyer un peu. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens me voir. Le petit coup électrique. Hop là. Hop là. Oups. Le deuxième arrive. On va essayer de ne pas se faire avoir. On va lui mettre le ventilo. Ouh. On va lui faire l'attaque. Ah. Ah, il m'a coincé. Je ne veux pas me faire avoir. On va lui mettre le deuxième ventilo. Ah, j'ai foiré l'attaque. Tu me trouveras pas, je suis caché. Je suis là. Allez, tu me suis? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Ça, je ne sais pas ce que ça fait comme truc. Ça n'a pas l'air de faire quelque chose. On va essayer la lampe là. J'en mets vraiment partout. Allez, vas-y, suis-moi et... Ah. Donc là, je me suis fait avoir. Donc après, ça va en hack mode. On voit à peu près très bien les interactions possibles. Allez, vas-y, rentre, je vais pas t'épargner. Donc il y en a un qui rentre par la salle. On commence directement avec ça. Tu permets, je nettoie au passage. On l'enchaîne. Allez, vas-y, passe devant là. Le deuxième qui arrive. Toi, on va te faire ça. Oh, j'ai eu les deux. Hop là, lui, on le finit. Toi, tu vas te prendre le ventilo dessus. Hop. Hop là, on te charge. Allez, viens, viens, suis-moi, suis-moi. Hop là, et on le finit. Et maintenant, on nettoie tout. Oh, j'aimerais bien avoir un robot aspirateur comme ça pour chez moi. Franchement, tu peux laisser la maison tranquillement. Il bousille un peu tout, mais derrière, il te nettoie tout. Ça me fait rire comment il est tout content. J'ai chassé les voleurs, je les ai zigouillés et maintenant je nettoie. Hop. Bon. Après les contrôles, ça va, reste assez simple. C'est juste le temps de prendre en main. Hop, on va nettoyer ça. Ok, toi t'es rentré de par là. On va aller nettoyer là. Oh, il y a vraiment du jus de raisin partout. Allez, là on voit plus rien. Hop.
Donc on a terminé le niveau 2, on a la classe A. J'ai une meilleure précision cette fois-ci sur cette partie-là. Et allez, on va en faire une troisième, on va continuer. On va essayer de changer un peu. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Toi, hop. Hop là. Oh non, tu en mets vraiment partout. Ah, Rombo commence à être vénère. Il est obligé de nettoyer derrière les voleurs. Tintintintintintin. Hop là. Oh, j'ai mis un coup là, je ne sais pas comment. Je n'ai rien fait moi. Allez, viens glisser. Hop là. Ah. Et on finit le deuxième. J'ai repeint tout en rouge. Allez, il est où le dernier? Où est-ce qu'il est le dernier? On va essayer de l'attirer. Oh là là, t'en as vraiment mis partout. Lâche ça, ce n'est pas à toi. Hop là. Lâche ça, ce n'est pas pour toi. Hop, on va l'amener là. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. C'était celui-là. Voilà. J'ai un peu foiré mon coup, mais c'est pas grave. On va se rattraper avec la cheminée. Et hop là! J'ai quand même réussi. On va essayer de nettoyer le plus possible. Même s'il y en a vraiment partout. C'est un peu chiant. Heureusement que ma, plutôt, ma maison est pas dans cet état-là. Hop, allez. On va nettoyer les traces là. Oh, j'aurais pas le temps de tout nettoyer là. Hop. J'ai vraiment pas l'habitude de ces contrôles là. Mais bon, franchement, c'est un petit jeu qui vaut le coup d'être joué. Pour le prix, franchement, ça va encore. Il y a de quoi bien s'amuser. Il y a encore pas mal de trucs à voir. Ils vont sûrement implémenter d'autres techniques, pas d'assassinat, mais on va dire d'assassinat par la suite. Et on va retourner au menu principal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à le télécharger, plutôt à l'acheter et le télécharger. Il coûte 2,38€ sur Steam, donc le lien sera dans la description. N'hésite pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à t'abonner à notre chaîne, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.